Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo complètement folle encore aujourd'hui. J'ai mis mon polo, je me suis mis sur mon 31 encore une fois parce que c'est la rentrée. Et j'ai vraiment trop envie de retourner en STAPS, faire prof de PS. C'est une grande passion vraiment, j'adore ça quoi. Animer les élèves, regarder dans les vestiaires. Bon, trêve de blablaterie, aujourd'hui les gars on va parler de la fève. Donc les gars, il y a pas longtemps je suis tombé sur un clip de la fève, d'un ancien clip qu'il avait supprimé, qu'un fan l'a re-upload. Je sais pas comment il l'avait re-upload le mec. Le mec il avait été sur le dark web, un truc de fou. Et j'ai trouvé le son tellement lourd que je me suis dit, faut que j'en fasse une vidéo, faut que je fasse un son type la fève. La de la recette de Masqué, et là ça va être la recette de Vivi, et ça va être complètement fou ce qui va se passer. Bref les gars, aujourd'hui on va faire un son type la fève, générique. Je vois pas le bout du tunnel comme Lady Di, Di, tunnel comme Lady Di. Je vois pas le bout du tunnel comme Lady Di, Di, tunnel comme Lady Di. Donc déjà avant de commencer, avant même de faire les paroles, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une prod. Vu que j'ai quelques bases sur FL Studio, j'ai concocté une prod de fou malade. J'ai commencé à faire quelques accords de piano un peu mélancolie, et après il y avait plus qu'à rajouter les drums pour que ça pense un maximum. Bon ok les gars, j'ai pris un type beat la fève, j'ai pris le premier, je me suis pas foulé. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Je me suis dit, lui il bounce un maximum, et bah voilà, quand il y avait plus qu'à le prendre. Waouh, mais t'es mal à la taille du beat. Donc une fois que j'avais la prod les gars, je me suis attaqué aux paroles. La fève dans ses paroles, il parle pas beaucoup de meufs, il a un ton assez moralisateur. Il est là, il est contre les déviances de la société un peu. J'ai essayé de faire ça dans le premier couplet, j'ai essayé d'avoir ce ton un peu moralisateur. Donc c'est surtout un mec qui parle pas mal de charbon, il parle de travail, il parle d'intérim, parce que pourquoi? Parce qu'il veut des sous, le Louis, il veut des sous. Il parle d'argent pour mettre la daronne à l'abri, le Louis. Eh oui, parce qu'il s'appelle Louis. Trop des barres. Ta gueule, tu t'appelles Ludovic, gros loser. Une fois que j'avais fait un peu tous les thèmes de ce qu'il parle, la fève, là je suis passé au flow, et là ça attaque. Donc dans le premier couplet, j'ai décidé de prendre un flow un peu overlay. Je les déteste, c'est Attaï qui parle, mi anglais, mi français. On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Overlay, c'est-à-dire qu'on va superposer le début de la deuxième phrase sur la fin de la première. En vrai les gars, j'ai pas du tout fait comme ça. J'ai décidé de faire un flow bien bones, un peu à la Louvre-Esval dans son quoi. Le deuxième couplet, vu que j'avais un peu moins de souffle, j'ai décidé de calmer le jeu, mais c'est un peu moyen le deuxième couplet. Enfin les gars, dans le dernier couplet, j'ai totalement craqué. Donc je sais pas si vous voyez Laylo quand il prend sa voix aiguë, et bah dans le deuxième couplet j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être prendre ça, ça va marcher. Et bah ok. Mourra dans la main comme Bonnie and Clyde. Si j'appuie sur la cachette, tu t'embraînes. C'est nul ça, c'est zéro, zéro. Donc là les gars, on avait presque fini, on avait les paroles, on avait la prod, on avait le thème de la chanson. Donc là on était à 90% du son, il ne manquait plus qu'un seul élément pour faire le son de l'année. Donc normalement les rappeurs, quand ils veulent se démarquer dans les clips, leurs potes ils sont en noir et eux ils changent de couleur, ils se mettent en vert flashy, ils mettent un maillot de foot de Kono. Lui la fève, il a trouvé une autre technique, lui ce qu'il met, il met une cape intégrale, et c'est ce que j'ai décidé de refaire aujourd'hui. Pour réaliser la cape de la fève, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un rouleau de scotch et enfin de deux feuilles blanches. Vous allez commencer par superposer les deux feuilles blanches entre elles, puis les scotcher pour que le tout tienne. Ensuite, pour faire les yeux de la cape, bon c'est bon, vous avez compris, hein, niquez-vous, voilà le casque. C'est nul ça. Et enfin les gars, j'ai fini par la cover, mais ça c'est méga simple, y'a plus qu'à prendre un fond de pastel un peu Picasso, et soit on rajoute une grosse tête déformée, soit on met moi avec la cape intégrale, et ça fait le job, ça fait l'affaire. Et voilà comment j'ai fait le son de la fève, j'espère que vous allez kiffer le son, je me suis vraiment démené pour le faire, ça fait plaisir. Donc les gars, je vous laisse avec le son, bisous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un an, parce que je vais me faire chier dessus en stap. Salut les gars, bisous. On bosse dur pour sortir de nos conditions. Je reste matrixé par ce monde qui nous conditionne. Tu restes ça veut dire que t'as cautionné depuis 40 ans. Maman, maman, elle a cotisé compliqué. Tout devient de plus en plus codifié.